C'est Zellman. Et c'est un voleur. Le plus grand voleur de cette époque. En 5 ans, il a déjà volé et anéanti 26 cartels de différentes nationalités. On peut voler toutes sortes de choses dans ce monde. Des sentiments, des émotions, de l'intelligence, des idées, du matériel. Les voleurs sont rusés, et quand ils accomplissent leur mission correctement, c'est eux qui ressortent vainqueurs de ce combat acharné. Zellman est un arnaqueur. Il peut paraître froid, sans cœur, mais son cœur se réchauffe auprès d'une seule personne dont il est tombé amoureux il y a longtemps. Son seul et unique point faible, c'est son seul et unique amour. J'y vais ce soir. Ça marche à ce soir. Je crois que ça s'emmerde pas, hein. T'as une sacrée belle voiture. On va dire que les affaires tournent bien. Comment tu vas? Ça va. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Passons aux choses sérieuses. T'as ce que je veux? Et toi, t'as l'argent? 100 000 euros en cash, comme prévu. Ton matos, comme prévu. Zellman? Quoi? Je peux te demander ce que t'as l'intention de faire avec tout ça? Si je te le disais, je serais obligé de te tuer. Mon ami, bienvenue chez Las Manos. Je t'attendais. J'aime en retard, toi, hein. Fripouille, va. Il me semble que j'ai une réputation à tenir auprès de votre gang. Tu vois, Christopher, grâce à ça, on va devenir... Comment on dit déjà, Christopher? Invincible, monsieur. C'est ça, Christopher, bravo! Je vais procéder à l'échange, je dois revoir... Ne me coupe pas la parole, Zellman. T'as ce que je veux? Oui, j'ai ce que tu veux. Ici. Alors, qu'attends-tu pour me le donner? Mon argent. La marchandise d'abord. On avait convenu l'argent d'abord. En plus, vous êtes plus nombreux que moi. Oui, et c'est bien pour ça que t'es pas en position de négocier, Zellman. L'argent d'abord ou rien? J'ai été 1 million, c'est bon. Je vous remercie. Je vais pas donner, mais avec ce que j'obtiendrai avec ça, 1 million, c'est rien. Comme convenu, voici ton matos. C'est bon. Ça t'ira? Ton matos t'appartient. T'es un homme de parole, Zellman. C'est toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Attendez. Qu'y a-t-il, Zellman? Il ne faut jamais faire confiance aux voleurs comme moi. Espèce d'énorme merde!
Hello. Coucou. Alors, ça s'est bien passé ta journée au bureau? Bah écoute, Francis il me taquine toujours autant, mais bon. Ah bah tu sais, je pense que t'en auras jamais fini avec ce Francis, hein. Ah ça non, et toi qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Oh bah rien de spécial, hein. Je suis allée faire les courses, et d'ailleurs je t'ai remis des yaourts dans le frigo si tu veux. T'as acheté des petits suisses aussi ou pas? Ah non mince, je suis désolée, j'ai oublié. Tu voudrais que j'aille en acheter? Non mais t'inquiète, j'irai deux. Julie, non, s'il te plaît. Julie, s'il te plaît. Julie, s'il te plaît. Monsieur, vous êtes une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je peux savoir ce que vous avez dans votre sac? Je vais appeler la police, hein. Rien qui puisse vous intéresser. Monsieur, s'il vous plaît. Allô, police! À l'aide!
Ouais, il fait le malin avec moi, je l'ai enculé. Il est mort. J'aurais pu, mais David m'a fait de la peine. Je lui ai laissé sa chance. Eh, Pablo, dis-leur qui je suis. Vous êtes fort, boss. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Eh, Raph, si tu veux devenir le boss du cartel, faut que tu fasses comme moi. Moi, je veux devenir comme toi. Non, je déconne. C'est vous qui prendrez les contrôles du cartel, boss. Bien dit, Pablo. Wesh. Tu m'en connais pas? J'ai tué sa femme l'autre jour. Cette grosse pute. Hey, je lui ai mis une balle dans la tête, pas le temps de réfléchir. Lâche ton arme. Dis à toutes les gars, je vais baisser leur arme. Eh les gars, c'est bon, fais-nous mais... Zellman, t'as du culot de te ramener ici. Tu devrais avoir honte de ce que t'as fait. Tu l'as cherché. Ma femme n'avait rien à voir avec tout ça. Bah, elle était avec toi, elle a subi ça. Tu seras bientôt plus de ce monde 30 jours. Je sais qui t'es, Zellman. Un voleur, un arnaqueur. Tu voles des cartels, des gangs. T'as aucun code de l'honneur. Tu l'auras cherché, Franjo. Putain, l'enfoiré ! Hey, tuez-moi cet enfoiré ! Ok, boss. Que suivent les règles du monde animal ? Vous êtes la proie et moi le prédateur. Vous êtes mort. Tu sais, Franjo, tout aurait pu bien se passer. C'est toi qui as décidé de jouer au plus malin. Mon patron m'a forcé à la tuer. Balance-moi ton patron. Si je te le dis, tu me tueras pas. C'est d'accord. Il s'appelle Drakes. Il se planque à 10 carrues des abonnés. Et bah voilà, c'était pas si compliqué. Je me disais bien que tu allais arriver un jour, mais je me demandais quand. Comment vous le saviez? Ne soyez pas dupes, je vous en prie. J'ai accès aux caméras de toute la ville, au moindre geste et au moindre mouvement. Je suis au courant. Et d'ailleurs, je vois que El Franjo m'a dénoncé. Il me déçoit énormément. Comment vous le saviez? C'est moi qui ai commandité le meurtre de votre femme. Je suis pas ici pour obtenir des excuses. Je ne comptais pas vous en faire. Et d'ailleurs, nous devrions continuer cette discussion ailleurs. Suivez-moi. Je n'ai aucune confiance en vous. Mais il ne s'agit pas de confiance, là, Zellman. Je ne te laisse pas le choix de me suivre. C'est une menace? Non, un simple fait. Sachez que si vous ne voulez pas me suivre, vous pouvez dire au revoir à votre mère. Allons-y. Voilà. On sera mieux ici pour en discuter. Qu'est-ce que vous avez fait à ma mère? La question est plutôt, pourquoi tu m'as volé?
J'ai tué ta femme par vengeance, et tu continues à t'obstiner. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous assure que si ma mère est en danger... Et alors quoi? Tu vas me tuer? Vas-y, pointe ton arme sur moi, et ta minable vie est déjà finie. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Votre mère va bien, Zelman. En revanche, si vous me donnez pas ma mallette avec toute la marchandise, vous pouvez déjà lui dire au revoir. Réponds, Zelman. Ta mère? Ou ma mallette? Je peux savoir pourquoi tu souris? Vous avez fait tout ça pour cette foutue mallette? Je ne crois que tu ne considères pas tout à fait ce qu'il y a dans cette mallette. Oh que si! Cette mallette contient du gaz VX. C'est un gaz encore plus puissant que le gaz sarin. Il peut provoquer la mort en quelques minutes. C'est bien! Bravo, je vois que tu sais faire des recherches. Vous croyez que j'allais venir ici sans rien? Sans couvrir mes arrières? C'est mal me connaître. Je ne sais pas pourquoi vous vouliez ce gaz VX. Une chose est sûre, vous n'auriez jamais dû tuer ma femme. Qu'as-tu fait, Zelman? T'es sûr de tenir à ta mère? Vous avez une sœur, si je me trompe. Abattez sa salope de madre tout de suite! Si vous faites ça, vous perdrez les chances de revoir votre frère et votre sœur, Dregs. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un virement des 70 millions qu'il y a sur vos comptes offshore, sur mon compte immédiatement. C'est hors de question. Vous voyez ici? C'est votre mère et votre sœur, Dregs. Si j'ai pas l'argent dans 5 minutes sur mon compte, elles mourront. Vous êtes prêt à tuer des innocents pour votre propre intérêt? Dois-je vous rappeler ce que vous avez fait à ma femme? Ça doit être l'argent qui est arrivé sur mon compte. C'est bien. Libérez ma mère. Libérez-la. Annulez tout. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, Dregs.